Good morning, allez, Iden, le tissu sera aujourd'hui, le Nishmat, François, Fadji, Ben Hana, Janine, Ruid, Bad Fortune, Mazal Frina, Aler, Haïbad, Mazal Dol, Lucien, Batraina, Claude, Shlomo, Ben Shalom, et Moshe, Ben Yaakov, Tarav. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions ma secrète Gitin, Perektet, Mishnah, Betarat, Moteret, Mechol Adam, El Aleaba, Ul Avich, Le Achi, Ul Achich, Le Eved, Vela Nochri, Ul Echol, Mishé, En La, Alav, Kidushin, Kacher. Arat, Moteret, Lechol Adam, El Alamana, Le Kohen Gadol, גרושה בחלוצה לכהן ידיעות, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לממזר ולנתין, ולכל מי שיש לה עליו קידושין, אפילו בעבירה, פסול. On est sur le même principe développé dans la Mishnah précédente, ce qu'on appelle les גירושי חוץ, divorcer sa femme en excluant certaines personnes. On avait expliqué que maintenant on va prendre juste la vie de Chachamim, d'accord? Selon Chachamim, je ne peux pas divorcer une femme, ça implique la permettre à tout le monde. Si tu ne permets pas la femme à tout le monde, tu n'as pas actionné, tu n'as pas fait de guette. D'accord? C'est comme si, comme toutes sortes de choses, tu fais une chose qui est contraire à ce que tu es en train de faire. Divorcer une femme, ça veut dire marier une femme, essentiellement, ça implique. Tu interdis à tout le monde de tuer une femme. Divorcer une femme, ça signifie tu redeviens permise à tout le monde. Et si je dis que tu es permise à presque tout le monde, ben, je n'ai pas encore dit que tu es une femme permise à tout le monde. Je n'ai pas actionné le get. Il manque la condition élémentaire du get d'être un get. Ok? C'est comme si je vais marier une femme en disant « Bon, tu dis un homme, mais je te permets quand même malgré tout le monde. » Ben, t'as fait autre chose. D'accord? C'est clair? Très bien. Selon ce principe maintenant, on va s'intéresser dans notre Mishnah. Est-ce que j'ai quand même la possibilité d'exclure expressément quelques personnes du guet, dans la mesure où elles sont de toute façon interdites à elles? Et là, je m'arrête, je vous explique qu'il y a deux groupes d'interdits, on l'a déjà évoqué 10 000 fois, que parmi les interdits de relations interdites, il y a des gens qui sont interdits parce que c'est des relations de proximité, d'inceste. Ça peut être un frère, un beau-père, un fils, d'accord? Ça, c'est un groupe d'interdits. Ce sont des kiddushin que si jamais je vais voir ma sœur et je lui dis arrête mes coups de châtelet, même devant des témoins, elle ne sera pas du tout interdite. Elle n'est pas du tout mariée. Parce que ma sœur, c'est un chiouv kritout, ça s'appelle. Si c'est un chiouv kritout, un chiouv karet, alors elle est complètement exclue d'être ma femme. À la différence de si je suis un Kohen et je veux voir une femme divorcée, je n'ai pas le droit de me marier avec une divorcée, si je suis Kohen, mais si je la marie, elle est quand même mariée. Et que si elle va avoir un rapport avec quelqu'un d'autre, elle va être condamnée à mort, parce que c'est une femme mariée, même si on n'avait pas le droit de se marier. Vous avez compris? Il y a ce qu'on appelle des issouré kritout et des issouré lav. Il y a des interdits de chiouv karet. On est passible de karet parce que c'est un retranchement, ouais, de mort au bideshamaïm, ou même de mort par le beddin, c'est aussi encore, c'est pire. D'accord? C'est un premier type d'interdit. Un deuxième type d'interdit, qui sont les interdits de issouré lavim. Les interdits de lave. J'ai pas le droit de me marier avec une bâtarde, une mamzerette. Même en Israël, elle n'a pas le droit de se marier avec une mamzerette, une femme qui est d'une union interdite. Mais si je lui donne des kiddushin, elle est mariée. Même si les enfants vont être aussi des mamzerettes. C'est pas que je ne l'ai pas mariée. Elle est mariée, mais je n'ai pas le droit de me marier avec elle. Il y a un interdit de lave. De ce fait, le principe il est très simple, comme ça après on traduit tout d'un coup. Si je divorce une femme en lui disant je te permets à tout le monde, à l'exception de ton père et de ton frère et de ton fils, puisque ce sont des gens que de toute façon elle n'avait pas d'option de se marier avec eux. Ils sont exclus complètement de son, comment dire, du cercle des possibilités de se marier. Si je vais la divorcer à l'exception de ces personnes, le guet est quand même actionné parce que de toute façon je ne l'ai pas limité dans sa possibilité de choisir son prochain mari. Puisque j'ai exclu des personnes qui sont de toute façon foncièrement exclues. À la différence du cas où je vais lui dire... Je te permets à tous les hommes, mais je ne te permettrai pas de te marier avec un Kohen. Le Kohen, de toute façon, il est interdit de te marier, parce que tu seras une femme divorcée dès que je te donne ce guette. Est-ce que ça peut faire, si de toute façon, je vais te permettre à tout le monde, sauf au Kohen? Eh ben non, ça ne marche pas. Puisque le Kohen, c'est quand même une possibilité, une éventualité de se marier, même s'il y a un interdit, mais ça peut, les kiddushin peuvent fonctionner si un Kohen veut le donner. Si je le divorce à tout le monde, à l'exception du Kohen, ça s'appelle que j'ai limité la force du get, et dans ce cas-là, le get n'est pas actionné. Et je traduis tout ça. Are at muteret lechol adam. Je te permets à tout le monde. El aleaba. Sauf à mon père. Ul avir, à ton père. Le achi, à mon frère. Ul achich, à ton frère.
les Eved, à un esclave, la Nochri, à un goy. Je te permets tout le monde, mais je ne te permettrai pas de te marier avec un goy. Avec tel goy. Jean-Paul. D'accord, enfin. Christophe, je ne te permets pas de te marier avec lui. De toute façon, un goy, s'il donne des kidouchines à une femme juive, il n'y a aucun kidouchine qui est actionné. Donc, par rapport au goy maintenant, je ne l'ai pas limité dans ses blétatories, même si concrètement, le goy, c'est qu'il va avoir un rapport avec une femme mariée. Bon, d'accord, vous avez compris le principe. Ulchol Miche'en, là, Allah, kidouchine, mais avec toute personne que de toute façon, il ne peut pas se marier avec elle. Les kidouchin ne sont pas actionnés. Dans tous ces cas de figure, kasher, le guet est kasher parce que je ne l'ai pas limité dans sa possibilité de se remarier. Vous avez compris le chidouche qu'il y a dans le goy. Que le goy, concrètement, si un goy va avoir un rapport avec une femme mariée juive, il est passible de mort. S'il a un rapport avec une femme juive pas mariée, il n'est pas passible de mort. Là, maintenant, quand j'ai divorcé, le goy il va être même être condamné à mort. Parce que la femme, elle est divorcée, mais pas pour lui. Mais malgré tout, ça s'appelle que mon guet n'a pas été limité pour la possibilité. Il y a un grand chidouche à l'intérieur. Quand j'ai préparé la mission, je m'attendais pas, j'avais pas fait attention que c'était écrit. C'est vrai que c'était écrit dans la Gemara. Mais... Donc, maintenant, dans tous ces cas, c'est clair, le guet est actionné parce que je ne l'ai pas limité dans sa possibilité de se remarier. Par contre, aval, si je le dis, arat muter telechol adam, je ne sais pas, tout le monde, et là, almana le kohen gadol. Sauf que si tu es une veuve, de toute façon, tu seras interdite à un Kohen Gadol, je suis interdite de marier avec le Kohen Gadol, ou bien même Groucha Bachalosa le Kohen Ediot, une femme divorcée, ou une Chalutza à un Kohen Ediot, même Zeret ou Netina à Israël, une bâtarde, ou une Netina, c'est un peuple qu'on n'a pas le droit de se marier avec eux, avec une Israël, ou bien Bat Israël et Mamzer en latin, ou bien si c'est toi une Bat Israël, je suis interdite de te marier avec un Mamzer, ou encore Ulchol Michel Shloalav Kidushin, Elaba Afiluba Vera, ou encore je suis interdite de te remarier avec toutes sortes de personnes qu'il y a un interdit de lave de se remarier, mais que le kiddushin fonctionne dans la phrase. Ou encore avec toute personne qui a en théorie la possibilité de lui donner des kiddushin, Afilouba verra, même si il y a un interdit dans ces kiddushin, mais les kiddushin sont actionnés, dans tous ces cas-là, Pasoul, le guet est invalidé. Non, d'accord, la femme n'est pas divorcée, parce que je l'ai limité dans sa possibilité de choisir son prochain mari. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Sela.